La chaîne que nous entendons d'abord, toujours. La chaîne bien entendue. En tant que nous disons, nous allons déraper pour ne pas barbier après ça. Bonjour, 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 bonjour. Moi, je suis entré, moi, je suis dans la caille là, qu'on y a là, je dis là. Est-ce que nous entendons bien? Papa là, là. Oui, vous entendez? Verger. Et vous entendez bien? Moi, je suis sorti bien, oui. Aïe. Depuis mon an, oui, je me dérapé. Eh bien, c'est bonjour, ma petite nous, ma salut nous. Je dis, c'est mardi, et qui c'est 3 octobre. Donc, mes amis, nous entrons dans la fin d'année, nous entrons dans l'année fiscale là tout. Donc, nous entrons dans la fin d'année 2023. Depuis nous entrons là, nous dans le 4e trimestre qu'on y a. C'est ça? 4e trimestre qu'on y a. Donc, ça veut dire que l'année presque allée. On y a la prochaine fête, nous regardons là. On a regardé la fête d'action de gaz qui a privé en novembre. Donc, c'est pour monter bien, bah, aller rapide. Salutations, moi, je te salue, nous, moi, bien content. Hier, nous étions assez gentils et nous étions pile. Bien content, moi, merci nous encore pour toutes les connexions que nous avons entre nous-mêmes. Et moi-même, moi, je fais mieux pour nous capables toujours une petite conversation avec nous. Qui n'est pas obligé de durer en pile, mais au moins, nous quimbellions une communication entre nous pour nous parler de grands programmes de mini-actualité. Surtout ici aux États-Unis, quand on parle avec nous, dans Washington, dans le building, nous avons gardé des dans la haute dôme, nous avons gardé là, qui c'est le Congrès américain. Eh bien, il y a un député qui, justement, lui préparer un document pour lui chercher capoter président chambre des députés, président chambre des députés à Kevin McCarthy, qui est accusé, qui est en conflit avec l'administration, en fait avec démocratie, pour te permettre que le gouvernement ait été l'ouvrir. En tout cas, en principe, il y a besoin de 218 voix en faveur pour ta joindre, pour ta remplacer et pour ta capoter et président chambre des députés. Dans la position. Alors c'est une peut-être et c'est une promesse que le président Kevin McCarthy a fait. Elle était candidat et bien elle a dit que même si c'est un grand monde dans la chambre député, un grand républicain, mais ça l'a capable de demander pour remplacer, même à condition qu'on y a alors une démocratie à faire votre la fête, puis au capot de son. Voilà. En tout cas, ça arrive là. Et donc sujet à la fin de donc, dans le jour qui vient là, nous allons connaître exactement ce qui s'est passé exactement. Deuxième point dans l'actualité, surtout, c'est ce qui a passé dans New York, côté ancien président Donald Trump, et bon jugement qui commence contre lui, son jugement pour fraude. Fraude, en tant que limité passé gagné, il fait 0 tourne 9, il fait 6 tourne 9, et pour le cas, et grossi, et bien que le procédé, on peut mettre valeur que bien ou pas arriver. Et payé ou bien pas estimé ou l'estimé ou la valeur que ou pas normalement y pour capable jouer une faveur dans mes banques pour être capable de prêter de l'argent et certainement pour jouer une assurance qui coûte le moins cher. C'est Madame James, Laetitia James, qui est commissaire gouvernement dans New York qui a déposé plainte pour lui depuis décembre. Et bien, déposé plainte, il a cherché d'avoir pour jouer 250 millions de dollars et dommages et intérêts. 250 millions de dollars dommages et intérêts. Et puis tout, la cherche tout pour que l'ancien président ne fasse aucun, ni co-défendant, parce que les deux petits garçons de New York, ne fasse aucun business dans l'État de New York. Et même la cherche de résultat, même camper et Trump Tower, par exemple, avec l'autre activité et real estate que l'ancien président a dans New York. Donc c'est le président qui est venu personnellement, même là que il n'est pas obligé de présenter dans le tribunal là, mais il est présenté dans le tribunal là et il fait déclaration dans le tribunal là avec attention de faculté concentré sur lui. Donc pour ça, et d'après juge capé, pas un jury là dans lui, mais juge captant des parties concernées, dans le coup, et avocat gouvernement, et avocat défenseur, et bien juge a dit son procès est capable de durer probablement jusqu'à décembre. Donc, c'est un dossier qui a pris temps. En attendant qu'on y a, c'est ça, fait ça, le discovery. Donc, c'est peut-être qu'il y a cherché tant de témoins qu'on y a, témoins à charge ou à décharge, qui peut lui-même présenter et faire proposition par eux, je dis. Voilà, c'est sous là, pratiquement, et que nous avons dit que les grands points qui sont censés, et puis le gouvernement l'ouvre.
gouvernement qui a ouvert jusqu'au 17 novembre, des provisions qu'on a après le Congrès a été voté et un projet de loi de finances qui est provisoire, bien entendu, et que le président Joe Biden signe, le gouvernement a voté d'ouvrir jusqu'à pratiquement le 17 novembre, mais pas de provisions là-dedans pour l'assistance pour l'Ukraine, même bientôt pas de corps pour la sécurité frontalière là-dedans. Donc c'est une raison qui fait que la proposition ça est passée dans deux chambres que le président Joe Biden signe. Un des présidents Biden n'est pas content parce qu'il dit que il croit qu'il faut que l'Ukraine des jeunes assistants c'est tout le fait de la barrière. Et est-ce que nous devons dire l'autre bagarre encore? Oui, nous sommes capables de dire l'autre bagarre qui peut être d'intérêt pour nous. Nous sommes sur la frontière. Pour nous, nous sommes sur la frontière. Oui. Eh bien, le gouvernement mexicain actuellement, Livo, est sur la frontière. Nous sommes sur l'autobus pour aller chercher les gens. Alors, pas dans la partie nord, non? Nous sommes dans le sud. Dans le sud, c'est dans l'État Chiapas qui partage le Mexique avec le Guatemala. Donc, nous-mêmes qui comptons sur la frontière qui fait au-delà déjà. Nous connaissons depuis nous quitter Guatemala, nous entrons au Mexique. Donc c'est exactement. Et bien, le gouvernement voulait bus à chercher et immigrants qui bloquaient l'autre bois justement pour peut-être mener un petit peu beaucoup plus au centre. Parce qu'il crée un gros problème, panique, même problème même pour les agents immigration qui sont frontières, beaucoup de Mexique. Donc ils voulaient autobus à chercher nous ça, mais ils ont besoin de venir tout, mais ils ont dit même, et pas Mexico City, ils voulaient aller dans la capitale là, ils voulaient continuer jusqu'à ce qu'ils veulent vers le nord. Et président Manuel López Obrador, président mexicain, et bien monsieur a parlé pour dire que dans la semaine qui passait, les États-Unis ont reçu 10 000 immigrants qui vivent sur la frontière à chaque jour. Mais vous entendez? 10 000 immigrants qui vivent sur la frontière à chaque jour. Et bon côté, et Chiapas là, alors dans ta patrouille là, pour nous-mêmes qui connaissons la zone passée, et bien dans la zone ça, lui-même, il y a 6 000 immigrants qui vivent chaque jour. Imaginez un monde qui fait tout le voyage là, et une compte sécurité que vous parlez noir, et bien le monde s'est arrivé, les arrivés dans Chiapas, il y a un fardeau, question de l'immigration passée, les rentrés là, ils demandent des autorisations, puis ils vont continuer le voyage là. Et ça met un gros poids lourd sous l'autorité autorité d'immigration qui paraît les moyens et ressources humaines assez pour satisfaire demande cap criminel. Et immigrants même à mettre pression sur les immigrants qui ont besoin de continuer mais ils ne peuvent pas le faire. Les immigrants qui ont besoin d'arriver justement sur la frontière parce que vous voulez les là pour prendre rendez-vous pour entrer de façon légale aux États-Unis avec un rendez-vous dans main et vous venez rendre tête au CBP donc c'est custom donc c'est garde la douane avec protection frontalière, il y aura une tête qui et avec possibilité de quitter les États-Unis, de demander asile. Donc c'est la situation pour y a donc il faut que l'autorité mexicaine a fait, et bon côté les États-Unis ont pris des efforts à faire tout parce qu'ils ont dit pas les moyens pour les contrôler, flot immigrants qui ont vidé sous lui, et même les gardes nationaux, les immigrants qui ont carrément traversé les fils de fermeté, même les non-Texas, par exemple, les conseils de Babelé, les immigrants qui ont mis plusieurs gardes ensemble, plusieurs gardes sous le fil de fer, et de sorte que quand traversé, ils ne sont pas blessés. Et dossier concernant le pays d'Haïti, eh bien, c'est nouvelle là, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et à la surprise de tout le monde, à la surprise parce que les États-Unis, et pour les États-Unis avec Équateur et Équateur fait, eh bien, ils ont préparé une résolution avec eux, mettez devant le Conseil là, qui voter en faveur qu'une force multinationale aller en Haïti. Et c'est Kenya qui va prendre tête force à Cap Gain là-dedans, participation de plusieurs autres pays, dans CARICOM et l'autre pays encore. Utilité de 12 pays qui sont d'accord pour une contribution par eux, que ce soit au point de vue matériel, qui a baillé au point de vue homme, soldat, et un pays qui a baillé là. Les États-Unis qui sont censés en tête pour le courant, en tête pour eux, les États-Unis pour mettre 100 millions de dollars par exemple, puis l'Alliance a soutenu dans le ministère de la Défense pour aider et puis l'appui logistique. Donc ça veut dire que Kenya a dit qu'il était en attente de Balil, et Kenya a dit lui-même dit quoi qu'il n'a pas échoué dans la mission ça. L'habitude de participer, non, c'est l'émission déjà, l'habitude de réussir, donc il n'y a pas de raison pour que les plateformes soient en Haïti pour que les choses. En tout cas, les gars, ils prennent note, et si vous avez un chef, ils prennent note tout, parce que c'est un gros dossier, et mais qu'est-ce qu'il a posé pour qui les forces à parler. Avant votre la défaite, là, il y a une autorité dans Kenya qui a annoncé que vous pensez que l'état de fête en début année 2024. Donc, nous ne savons pas est-ce que les possibles, est-ce que tout le monde a peur, mais au témoin dit que les forces kenyanes, les soldats ou les policiers kenyans ont commencé à prendre le son en créole
pour être capable de mener l'opération. Donc, il y a des gens qui ont dit aller en avant pour que les gars américains aient organisé, ben, parce que je ne sais pas ça ne va pas passer exactement. Mais la société de Bali, et dans 9 mois, la société de promettre pour retourner sur le dossier encore, pour faire garder pour ce qui en ça. Il y a des conditions qui posaient, par exemple, pour Kenya et l'eau qui a été utilisée pour que l'eau traite, etc., pour ne pas venir côté maladie dans le pays. Gagner et puis aussi un problème la justice pour que ben, ça fait rapide pour pas violer mon tant que chance a été fait dans le passé avec le premier contingent des Nations Unies qui était le ministre nous rapport qui a pile dossier qui était reproché et soldats. Donc dossier a passé. Alors dossier a passé parce que il y a deux pays qui étaient pays que on était crainte qui t'a pas le problème c'était la Chine avec la Russie. Mais parce que étant donné que la Chine a la Russie a un droit de veto dans le conseil, comme membre du conseil permanent, du conseil de sécurité, mais le droit de veto, si vous avez dit non, il n'y a pas parlé, et bien vous avez posé veto sur lui. Ça a fait, il a abstenu le veto, donc il n'a pas voté ni pour ni contre. Donc le dossier a passé avec 13 voix pour et 2 abstentions, qui c'est et là aussi avec la Chine qui a abstenu, donc le dossier a avancé. Mais la Chine, pour mettre la Chine, demandé pour demander à ce que vous ayez un consensus local. Là aussi, il dit ce qui est dû pour. Et voyons force multinationale en pays, c'est bon, ce bail qui tue en pile. La Chine m'a demandé pour que acteurs concernés, pour que je nous un consensus sur ce qu'on a pour force qu'on a, et l'objectif, il faut que ça nous garantit la sécurité pour que les élections soient organisées dans le pays. Nous rappelons que dernièrement, le premier ministre a été rencontré avec le conseil électoral provisoire, très certainement, dans le milieu, c'était dossier élection qui était parlé, mais question de sécurité, que acteurs concernés, parler, par exemple, si parler de lire, par exemple, si expliquer que il est nécessaire pour gagner une sécurité pour que les soldats déroulent en pays. Donc, dossier qui l'ouvre et dossier qui est n'y a pas qui franchit dans le dossier si là, sur question sécurité, mais on a peut-être qu'on voit qui ça qui n'y a pas le bail avec et dans la tête pour ça, mais pas grand chiffre qui bail. Et je crois que le conseil de sécurité a été pour le réunir encore et qu'il y a une autre rencontre encore qui peut faire sous dossier Haïti. Avant d'Haïti, et le dossier Haïti et Dominicaine, bon, pas de changement qui fait. Comme base et Hing Hang qui gagne en tribu Dominicaine avec Haïti, sont question de canal qui a construit, et bien bon, le canal là continue à construire pendant que l'État semble que le gouvernement dominicain est censé construire l'État pour empêcher l'eau arriver dans le canal et que Haïti a construit justement pour être capable d'arroser. Terre qui est en pleine marivao, justement, pour permettre à l'agriculteur de manger. Mais c'est vraiment de pression sur le gouvernement dominicain, parce que justement, les fermiers dominicains, les fermiers, les machins dominicains qui n'ont pas de moyens pour être capables de liquider les produits que normalement, Haïti, c'est des marchés qui ont été produits. Donc, parce qu'il faut que ça ferme tout simplement, et même pas pour parler. Voilà, c'est ça qui vient, puis on a dit qu'on parle de réaction. Classe politique haïtienne dans ce dossier sous vote pour sa sécurité à prendre. Et puis hier nous parlons un petit peu de réaction au Kenya même, qui est une population kenya, ouais, et participation mais décisions autorité gouvernement kenya prend pour lui diriger une force multinationale en Haïti. Opinion partagée, il y a des gens qui disent que Kenya a des problèmes, parle, que le résoudre. Il y a des gens qui disent bon c'est un pays frère, c'est pour nous capable d'aider lui, mais il y a des gens qui remplissent et réservent. Sous sa main, il dit que les cas va possible. Mais la question, c'est justement qui les fait ça, la déployer. Très certainement, si nous étions avec la voix d'Amérique, nous ne va pas dire qui est exactement. Nous allons chercher information sur le dossier, si là, pour nous dire qui est et force multinationale, ça, qui est à prendre date. Le gouvernement salué, mais encore le gouvernement accueilli avec bras ouverts décision. Le premier ministre Henri Bagravo, l'accompagnement. Il y a un tour, le ministre des Affaires étrangères haïtien et M. Généus qui était dans les Nations Unies, lui-même tout, qui salue et décision de sécurité à prendre. Je veux remercier tout le pays qui participait, tout le pays qui peut coller dans la décision, y compris les États-Unis, qui lui-même était dans la tête initiative, résolution, ensemble avec l'Équateur, qui veut joindre la bénédiction. Donc moi-même, je dis, maintenant qu'il y a un bad là, mais je dis, je parle surtout de dossier immigration que j'ai suivi en pile pour vous, parce que c'est un si grand pile d'immigrants qui continuent à vivre sur le continent malgré le temps passé de diminution. Et bien, les chiffres-là continuent à monter encore et ça va en pile. Ça va être à l'autorité américaine qui est sur le continent. Et même les villes qui sont arrivées aux États-Unis,
travail qui est sauté et activité ça tout li gon l'autre impact c'est pas sur commerce entre les États-Unis avec le Mexique, ça diminue bien pour ralentir commerce entre deux pays. Et puis donc nous gen pratiquement valé dans New York et spécialement préparé réaction bien encore intervention et ça c'est qui dans ce dossier Haïti a Fred qui n'a Jersey bien gentil Auguste qui a travaillé tout sur l'autre dossier et puis bon moi même bon j'aime ça sur ça et puis nous on parle autour de et procès et en Saint-Bénédicte qui a commencé depuis hier dans New York à qui fin à qui ça va aboutir donc on pourrait émission procès qui a déroulé sans jury là-dedans. Et bien ça a prouvé là, dans le moment même que les États-Unis apparaissent les campagnes électorales pour l'élection présidentielle 2024. Et encore, on va se chauffer là, mais tout le monde parle, attention, par rapport à ça, surtout sur ça, mais deux élections qui sont là, et tout le monde constate. Voilà, c'est ça, je dis nous salutations, je salue nous, je remercie nous, et n'a pas pour nous parler encore, mais c'est pas demain. Si on a moins que vous avez qui est vraiment important ou qui mérite que. Mine parle avec nous, mine font s'expliquer nous. Et puis, dossier programme Biden là pour Haïtien, il y a des gens qui ont babillé toujours qui dit que depuis janvier, ils ont appliqué, pour que j'aime un rendez-vous. Prends patience. Consultez et courrier électronique nous. Et puis, l'ENA, les gardez pour nous. Si n'a pas gardé seulement USIS, USCIS, gardez tout pour nous, l'autre hélice. Sinon, on lettre qui vient qui dit « do not reply », pas répondre. Gardez pour essayer de prendre un dossier qui vient pour avec l'immigration ou encore qui vient pour avec le dossier pour là. Et pendant que nous avons continué sur vous, mais d'encourager parce que le dossier est toujours là, le programme est toujours là. Tant que, tout autant que le juge qui vient pour l'étendre, l'État concerné, l'État 20, l'État qui vient pour te plaindre. En programme là, et bien tant que ça pour une décision qui prend un programme dans là et au même souvenir pour faire programme souvenir pour appliquer pour moi faire application okay. Bonne fin de journée tout le monde dans Habitat. Bye bye.